cette victoire a fait du bien, parce que moi, franchement, comme j'ai dit aux journalistes, j'avais vraiment peur de ce match, parce que là, vu l'expérience de l'année dernière, où à chaque fois qu'on a eu deux coupures, on a eu du mal, on a enchaîné deux défaites. Donc là, j'avais vraiment peur de cette équipe, et on a vu qu'en première mi-temps, même si on était au-dessus, je pense, mais on a été un peu suffisant en première mi-temps. En deuxième mi-temps, on s'est mis un petit peu un coup de pression, ou peut-être moins un lob, un pénalty raté, un peu de suffisance. Et on a mis tous les ingrédients en deuxième mi-temps. Et voilà, ils ont craqué aussi physiquement, on les a fait un peu péter un câble. Arnaud, il a fait les bons arrêts. Voilà, et ça fait plaisir parce qu'il y a Hugo qui a marqué, il y a, voilà, tout le monde est rentré. Kevin a sorti un arrêt, je pense que ça va lui faire beaucoup de bien, ça va remotiver les troupes. Les arbitres ont très bien sifflé et il y avait deux minutes à chaque fois parce qu'on défendait trop individuellement. On s'est un peu énervé. Alors pourquoi? Peut-être qu'on a pris un ou deux coups, on s'est énervé en défense. Je pense qu'on n'aurait pas dû, mais même si on prend, voilà, si on marquait pas, on prenait pas derrière. Ça, c'est le leitmotiv que toute équipe doit avoir. Et voilà, et tant mieux pour tout le groupe. Et on a montré qu'on était une belle équipe. Et on va tout faire pour rester en haut du classement jusqu'au 12 décembre à Limoges. On a un match, moi je pense que, comme on a dit avant, c'était à Nice. Ça va être une petite finale à l'extérieur de la première partie parce que là, il y a vraiment un gros coup à jouer. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait ce soir. Après qu'ils aient gagné ou perdu, ça sera la même chose. Ça va être un match compliqué à l'extérieur et va falloir ce qu'on a fait en deuxième, bah, deux fois plus que le bon vive plus, que voilà, on va être là qu'un groupe de 14-16 avec le président, avec l'entraîneur, avec le kiné. Donc ça va être compliqué, mais il n'y a pas de raison que ça ne le fasse pas si on reste comme ça. Ça commence au début de la semaine en fait, où on se lance, on regarde, on prend les informations, on travaille sur la vidéo bien sûr. On regarde l'adversaire, on arrive là en fait, on connaît déjà son adversaire, aussi bien que soi-même, quasiment. Donc voilà, et puis après Arnaud il rentre par rapport à sa prestation, il fait une bonne rentrée, il continue là-dedans, ça relance l'équipe. Et après on arrive à scorer, ce qui fait un écart de but assez conséquent. Et c'est vrai que ça fait toujours énormément de plaisir de voir l'équipe qui est relancée, etc. On a eu un peu peur de redescendre après la deuxième mi-temps. Et puis à la fin, voilà, je rentre et ça fait plaisir, c'est énorme. Je rentre sur penalty. Déjà, il y a Aitor qui me dit ouais, t'as 6 minutes, c'est pour toi, donc fais-toi plaisir. Et voilà, donc du coup, je rentre et puis je rentre confiant avec le soutien d'Arnaud et de l'équipe. Et je me sens soutenu et du coup, j'ai aucune pression et j'arrive à me relâcher sans problème. Et après, je me suis vraiment fait plaisir pendant 6 minutes. J'ai l'impression d'en avoir vécu une mi-temps quasiment, et voilà, que du bonheur. Président, très heureux ce soir, parce que c'est vrai que l'écart au score, même s'il est avantageux pour nous, il reflète notre supériorité.
On a été meilleur que dans tous les compartiments du jeu, avec bon, deux joueurs d'exception ce soir, Guillaume Crépet et Arnaud Tabaran. Mais un collectif très bien léché. Et voilà, moi je suis très content. Aitor était satisfait de la semaine de travail. Il me l'avait dit. Et puis c'est vrai que ça a payé. Le travail continue à payer. Et donc voilà, que demander de plus ?